Ici, vous êtes dans une pièce qu'on appelle le salon vert ou le salon de l'armateur, qui est donc une des grandes pièces de l'étage de maître de la maison Louis XIV, qui est en fait de son vrai nom Laubiaguenea, le nom de celui qui l'a construit, Joannis de Laubiac. Joannis de Laubiac, c'était un armateur. En fait, toutes les fortunes du XVIIe de Saint-Jean-de-Luz, c'était des familles d'armateurs, parce que Saint-Jean-de-Luz ne vivait que de la mer et que par la mer. Et donc, les gens qui avaient les moyens de se construire ces sortes d'hôtels particuliers, c'était des armateurs. C'est une maison qui est toujours restée, qui a été construite il y a longtemps, en 1643, il y a plus de 360 ans, et qui est toujours restée dans la même famille. Donc elle a souvent changé de nom, mais j'ai compté une fois, la 14e génération à vivre et à habiter cette maison, qui est une maison de famille. Alors, de l'extérieur, c'est une bâtisse qui fait 20 mètres sur 20 mètres, 400 mètres carrés de surface au sol. Elle a une particularité, elle a deux façades. Côté place Louis XIV, on est face au nord. C'est la façade en pierre, la façade pour s'affirmer, pour valoriser son bien et sa bonne fortune. C'est une façade, elle a été construite sous Louis XIV, mais Louis XIV venait de naître. Donc c'est un style Louis XIII, et c'est un style très hôtel particulier, comme on peut en trouver dans le Marais à Paris, avec une grande façade, deux tourelles décoratives, avec des trompes en éventail qui les soutiennent, qui sont du bel ouvrage de pierre. Et puis elle a une façade sud, côté rune, côté marais à l'époque, côté port, qui n'était pas encore le port, qui était que l'embouchure de la Nivelle, et qui est une façade beaucoup plus navarraise. C'était des terrasses avec des arcades ouvertes au soleil, à l'extérieur. Et c'est pour ça que je cite souvent ce terme de maison Janus, avec son côté des champs, le côté des champs au sud vers la rune, et le côté ville, le côté m'as-tu vu un petit peu, il faut le dire, façade Louis XIII en pierre côté nord. Quand on rentre, on voit la première chose qu'on voit, c'est un escalier monumental, qui est un escalier en bois de châtaignier, qui occupe presque un sixième de la surface de la maison, qui est un escalier construit certainement par les charpentiers de marine, puisque c'était des armateurs, ils avaient la main d'œuvre et ce qu'il fallait sous la main. Cet escalier, il dessert trois étages. Le premier étage, y vivait la famille. La famille, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas le maître et la maîtresse de maison, qui, eux, vivaient au deuxième étage, qu'on appelle l'étage de maître, qui est plus haut de plafond, où il y a quatre grandes pièces, un grand salon, une grande chambre, qui était la chambre du maître et de la maîtresse de maison, une galerie au sud, qui à l'époque était une terrasse ouverte, donc ça ne servait pas à communiquer, on passait par l'intérieur, une grande cuisine, qui était en fait la vraie salle à manger, la pièce à vivre, puisqu'il n'y avait pas de salle à manger, ça n'existait pas au moment de la construction, le principe des salles à manger, c'est venu beaucoup plus tard. Et puis, cette pièce où on est, qui était la partie travail, le cabinet de travail de l'armateur, qu'on appelle le salon vert. À l'étage au-dessus, il y a encore un troisième étage, avec des pièces mansardées, où vivait certainement une grande domesticité, parce qu'il y avait sûrement beaucoup de domestiques, et puis peut-être le reste de la famille s'il y avait besoin, si le premier étage ne suffisait pas. Dans le grand salon, on a remis à nu les poutres qui avaient été plâtrées, et on a retrouvé des poutres qui étaient peintes, et donc on a eu une restauration par une restauratrice qui s'appelait Claudine Passicos, qui a retrouvé des choses étonnantes avec des scènes de la Bible, des macarons de fruits, de légumes qu'on a réussi à retrouver et à remettre en état.
Et puis, on a la restauration, ça c'était en 2006 et 2010, et puis on a la restauration de cette pièce, qui est le salon vert, qui est la dernière chose qu'on ait faite avant la prochaine, en 2014, qui a été donc restaurée aussi bien sur le support, ces panneaux en bois, par les ateliers de la Chapelle, qui est un grand atelier d'ébénisterie de Nantes, et puis la reprise des décorations, des peintures, par Madame Gouret-Bernaudot, qui est une autre restauratrice de peinture, qui a tout nettoyé, quelquefois au coton-tige, et qui a enlevé la crasse des siècles et qui a remis à niveau ces panneaux qui sont dans un ton uniquement de vert, hein, une variation de ton de vert qui sont assez étonnants. Si on l'appelle Maison Louis XIV, je dis bien Maison Louis XIV, pas Maison de Louis XIV, c'est que Louis XIV, le roi de France, donc, est venu y séjourner pendant 45 jours, hein, presque un mois et demi, en 1660, à l'occasion de son mariage qui a eu lieu à Saint-Jean-de-Luz avec l'infante Marie-Thérèse d'Espagne. Et donc Saint-Jean-de-Luz, à ce moment-là, est devenu une ville très affairée. Toutes les maisons, de grandes maisons étaient réquisitionnées. Celle-ci, qui était la plus belle, la mieux placée, enfin, une des plus belles, restons modestes, a été réquisitionnée pour le roi. La famille, certainement, a été priée d'aller se loger ailleurs le temps des festivités. Et les affaires se géraient ici. On peut imaginer, essayer de se remettre dans l'ambiance de l'époque, les mousquetaires dans la cage d'escalier, les ministres qui rentrent et qui sortent, les affaires qui se traitent, toute la vie de la cour, la vie du Louvre, hein, Versailles n'existait pas à l'époque. Les affaires qui se géraient au Louvre, eh ben, il fallait les gérer là où était le roi. Saint-Jean-de-Luz, petit Paris, on disait ça. On disait Bayonne, son écurie, et Cibourg, sa poissonnerie, parce que Cibourg était en charge de fournir en poisson toute la cour qui était là.